Je sais pas si ça arrive, mais j'ai peur des enfants. Tu sais, j'allais dire, tu sais, les enfants, comme si vous saviez pas c'était quoi des enfants. Tu sais, là, les bambins, non? J'ai peur des enfants, mais là, après ça, j'ai creusé, puis je me suis rendu compte que j'ai peur des enfants parce que les enfants voient les esprits. Est-ce qu'on me suit, tout le monde? Dans le fond, j'ai peur des esprits. Je sais pas pourquoi j'ai fait un grand détour par ma première phobie, mais j'ai peur des esprits, OK? Puis, ça m'est, en fait, c'est un mélange. Ça m'est parti. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais fait de babysitting, moi. C'était pas ma passion, moi, d'aller chez des inconnus, genre... gérer des enfants, tu sais, je déteste un peu ça. Sauf une fois, j'ai dépanné ma voisine d'en face, elle m'a demandé, tu peux-tu venir me dépanner pour vrai, tu sais, on a un souper, puis il faut vraiment que quelqu'un vienne s'occuper de notre enfant. Puis je sais pas, il y a quel âge l'enfant en particulier, parce que je suis pas capable de reconnaître l'âge d'un enfant quand j'en vois un. Celui que je t'allais garder, il était comme haut de même. Il entendait, mais il parlait pas. Genre, tu sais, un âge qui sert à rien, là. Je sais pas, OK? Il y avait environ cet âge-là, ça doit être en genre 3 mois et 50 ans. Alors! J'arrive là pour aller garder, puis moi, j'étais assis sur le divan. Puis là, il fait ses affaires, il joue dans je sais pas trop quoi, parce que je le regarde pas vraiment, je fais mes trucs. Et à un moment donné, la maison est vide, OK? La maison est vide, on est tout seul. Moi puis l'enfant, je dirais pas son nom, Thomas. Alors, on est dans le salon, et Amadé, il joue à ses jeux, puis il fait juste se lever, et il fixe le coin du salon, qui est aussi vide. Il fait juste faire...